អង្គុយចុះ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 
Merci. Au moment du mariage, est-ce que vous connaissiez Lynn alias Ken? Ou est-ce que vous aviez déjà vu Lynn avant votre mariage? Ou bien c'était la première fois que vous le voyez? Et pourriez-vous me dire à l'époque, dans quelles circonstances vous l'aviez rencontré avant votre mariage? À quels endroits précisément? Merci. Est-ce que vous saviez quelles étaient ses fonctions à l'époque où vous l'avez rencontré et qu'il accompagnait Pol Pot? Maintenant, si on remonte dans le temps et concernant les informations que vous aviez sur le passé de votre mari, au moment du mariage, est-ce que vous saviez ce que votre mari avait fait avant avril 1975 dans la Révolution? Est-ce qu'avant le mariage, on vous a, vous auriez dû écrire vous-même une biographie ainsi que votre mari? Est-ce que au moment de ce mariage, vous avez également dû, ainsi que votre mari, raconter aux membres présents de l'assistance quelle fonction vous aviez occupée depuis votre engagement dans la Révolution? Est-ce qu'après le mariage, vous avez eu parfois des conversations avec votre mari concernant la période qui précédait votre mariage, et en particulier la période comprise entre 1970 et 1975? Et si oui, qu'aurait dit votre mari concernant ses fonctions à cette période? Est-ce que vous saviez ce que recouvrait à l'époque le métier de messager? Est-ce que c'était uniquement transporter du courrier ou ça concernait également d'autres aspects? Merci.
Merci. Et lorsqu'il vous a dit qu'il était messager ou chargé de protection, est-ce qu'il vous a dit de quels oncles il avait été chargé d'assurer la protection avant 1975? Merci. Concernant ce mariage, qui a décidé de ce mariage? Objection, Your Honor. I just wonder if we're veering off into a direction that's not covered in this witness's particular area. You did mention this morning that you would be testifying about the communication structure. I'm not sure that the forced marriage aspect of the questioning is particularly relevant. Certainly if it directly relates to communication structure, that's one thing, but you did say that the testimony was limited to communication administrative structure this morning. So it's an objection based on relevance with respect to this witness. Monsieur le Président, je ne serai pas long sur cette question du mariage, mais cela me paraît vraiment important que le témoin puisse nous éclairer sur les circonstances du mariage, étant donné que par la suite, nous allons revenir sur les relations qui ont présidé à ce mariage et notamment ce que Lynn a demandé à un moment donné au témoin concernant certains liens supposés. D'autre part, ce mariage également implique un volet structure administrative, étant donné les personnes qui ont été, les autorités qui ont été impliquées dans la prise de décision selon le témoignage écrit devant les juges d'instruction de la partie du témoin. Donc je pense qu'il est quand même légitime de poser cette question tout en ne m'apesantant pas trop longtemps sur ce sujet. Monsieur le បាទសូមអញ្ជើញអង្គជំរះអនុញ្ញាតឲ្យសួរហើយនឹងឆ្លើយតបទៅលើសំណួរបងមិញនេះព្រោះវាបញ្ហាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបុគ្គលភាពរបស់សាក់សីហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចការនៅមន្ទីរ 803
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, je reprends ma question, Madame le témoin. Qui a décidé de votre mariage avec Khan Lin alias Ken? ពេលនោះគឺអ្នកដឹកនាំខាងដៃខ្ញុំហ្នឹងស្នើមកខាងដឹកនាំខាងខ្ញុំគឺលោកហ៊ូនឹមហ្នឹងស្នើខ្ញុំហ្នឹងហើយក៏បានសួរមតិខ្ញុំក៏ថាស្ដេចទៅអង្គការហើយក៏លោកហ៊ូនឹមហ្នឹងយល់ព្រមរៀបការឲ្យ Merci. Est-ce que vous vous souvenez qui était le superviseur de votre mari à l'époque? Merci. Quand vous parlez de Hong, savez-vous quelles étaient ses fonctions avant ou après avril 1975? Est-ce que vous connaissez d'autres noms ou le nom complet de M. Hong? Donc, si je comprends bien, simplement concernant ce mariage, finalement, c'est le parti qui a tout organisé. Est-ce que c'est correct? Monsieur le Président, si je peux être entendu. Thank you very much, Mr. President. The question is rather leading and suggestive. It also assumes factions are not in evidence. She indicated the circumstances under which she became married. If he wants to rephrase it, that's fine, but this particular gentleman has a habit of asking questions where there are facts that are assumed in the questions which are not in evidence. Je vais reformuler, même si je ne suis pas d'accord avec la dernière remarque de la défense, Monsieur le Président. Quels dirigeants ont assisté à votre mariage? Est-ce qu'il y avait d'autres mariages qui étaient organisés en même temps ou c'était un mariage unique? Merci pour ces précisions. Je voudrais maintenant venir à la période qui suit votre départ du ministère de la Propagande et de l'Information. Vous avez dit que vous avez travaillé là-bas jusqu'en 1976, tout à l'heure. Pourquoi avoir quitté le ministère et où avez-vous travaillé après avoir quitté le ministère de la Propagande? ចាចេញពីឃោសនាការទៅគ្រួសារខ្ញុំនឹងបានយកទៅនៅក 8 ដើម្បីជិតគាត់ហើយពេលនោះខ្ញុំអត់មានធ្វើកិច្ចការអីទេមើលតែកូនហើយឈឺ.
Merci. Pourriez-vous préciser ce qu'était K8 exactement? Souvenez-vous qui travaillait à K8? Quel type de personnes travaillaient sur place? Est-ce que c'était un endroit où travaillaient des femmes, des hommes, des femmes et des hommes, des enfants? Est-ce que vous pourriez me préciser cela? Saviez-vous à l'époque où vous étiez à K8, quel bureau était placé hiérarchiquement au-dessus de K8 et donc superviser le travail de K8? Et est-ce que K8 avait un rapport quelconque avec K1? Lorsque vous étiez à K8, où habitiez-vous et est-ce que vous habitiez avec votre mari? J'ai peur d'avoir mal entendu le nom qui a été traduit en français. Est-ce que vous pourriez répéter le nom de cette famille? Ça a été traduit d'eux, mais je ne suis pas tout à fait certain. Est-ce que vous saviez à l'époque, puisque vous viviez avec lui et sa famille, qui était ce Tung exactement et au service de qui il travaillait? Est-ce que vous avez commencé à travailler à un moment donné à K8 ou bien vous ne vous occupiez que de votre enfant?
nâng mơ tới câu này nâng xâm rạc bệt tâu mau bệt. Et lorsque vous étiez à K8, est-ce que vous avez constaté autour de vous des disparitions? Est-ce qu'à l'époque, vous avez seulement su que cette personne avait disparu ou avez-vous vu que cette personne avait été emmenée hors de K8? Alors après K8, d'abord, combien de temps êtes-vous resté à K8? Et puis on va revenir sur ce qui s'est passé après. Monsieur le Président, pour clarifier les choses, je voudrais montrer à Madame les témoins un extrait de ces déclarations devant les juges d'instruction. Il s'agit du document E3-43 qui porte aussi la cote D201-8. Et l'extrait que je voudrais montrer se trouve en français à la page 6, en anglais à la page 7, et en khmer également à la page 7. Si nécessaire, je peux donner les IRN, mais je crois que c'est plus simple comme cela. Donc page 6 en français, page 7 en anglais, page 7 en khmer. Avec votre autorisation, je pourrais donner une copie de ces déclarations, Madame la témoin, et ainsi faire afficher à l'écran la page en question. Merci, Monsieur le Président. Je vais lire un extrait de la déposition de Madame le témoin qui dit ceci.
Quand j'étais malade, je me reposais à K8. Lynn m'a emmené à K11. Plus tard, j'ai été transféré à K7. Et plus tard encore, j'ai été transféré de nouveau à K8. Votre dernière réponse, madame le témoin, était de dire que vous êtes resté à K8 de 1976 à 1979. Est-ce que vous êtes également allé à K11 et à K7 durant cette période? ចាក់ក៏ 11 ហ្នឹងបានទៅសម្រាប់ពេទ្យក្នុងរយៈប្រហែលជាមួយខែដែរហើយក៏ប្តីខ្ញុំហ្នឹងយកទៅក៏ 7 សម្រាប់មួយយប់ហើយស្អែកឡើងក៏យកទៅនៅក៏ 8វិញ Merci cela éclaire nos les faits tels qu'ils sont présentés dans le document des juges d'instruction. Donc, est-ce que j'ai bien entendu, vous n'êtes resté qu'une seule nuit à K7 ou vous êtes resté plus longtemps? Est-ce que vous saviez ce qu'était le bureau cassette? Quelles étaient les différentes missions qui avaient été confiées au bureau cassette? Est-ce que vous vous souvenez où se trouvait ce bureau K7? Et par rapport au Palais Royal, où cela était-il situé? Le nord, l'ouest ou le sud du Palais Royal? Est-ce que vous savez qui a dirigé K7 ou qui dirigeait K7 quand vous y êtes allé? Vous avez dit tout à l'heure que K8 était placé sous la supervision du bureau 870. Est-ce que à l'époque, vous saviez si K7 et K11 relevaient également de cette même autorité? Et à part K7, K8 et K11, est-ce que vous aviez la connaissance de K5 à l'époque? Chà, hấp đăng tên.
Est-ce que vous connaissiez un bureau appelé K12 durant cette même période? Est-ce que vous avez su durant la période du Kampuchea démocratique ou est-ce qu'on vous a dit ce qu'était K12 et de quoi ce bureau était responsable à l'époque? Et il y a un dernier bureau sur lequel je voudrais vous demander si vous avez des connaissances, c'est le bureau K18. Est-ce que vous avez entendu parler de K18 sous le Kampuchea démocratique? Et si oui, quelle fonction avait ce bureau? Je vais maintenant revenir aux fonctions, le rôle de votre mari Kan Lin, alias Ken. Vous nous avez parlé tout à l'heure de votre mariage. Et je voudrais très rapidement, Monsieur le Président, montrer deux photos que Madame le témoin a remises aux enquêteurs des juges d'instruction. Et je demanderai l'autorisation d'afficher ces documents à l'écran. La première photo porte la référence des 201/8.2. Je crois que la photo n'est pas encore affichée, mais je pense aussi que même si Madame n'a pas ses lunettes, elle pourra tout de même nous dire, et c'est ma question, qui apparaît sur cette photo qui lui a été remise? Est-ce qu'elle pourrait nous dire qui est cette femme et qui est cet homme sur cette photo? Donc, si je comprends bien, c'est une photo prise par les enquêteurs des juges d'instruction. Et il semble, à la vue de cette photo, qu'il s'agirait d'une photo d'un tableau qui vous représente ainsi que votre mari. Est-ce que c'est correct? Et juste pour nous éclairer complètement, de quand date
ce cadre, quand, de quand date la, photo originale qui figure dans ce cadre, ou bien le tableau qui a été photographié par les juges d'instruction. ថាចេញពីរូបថតដើមនេះសាក់ចៅក្រុមសើមកេតអ្នកសើមកេតនៃវិការយ៉ាឡៃសាក់ចៅក្រុមសើមកេតបានថតបន្តមកទៀតនេះចារូបថតហ្នឹងថតនៅឆ្នាំ 2018 ហើយទៅឆ្នាំ 2010 ខ្ញុំឲ្យគេស្កែនចូលគ្នា Merci beaucoup. Alors la deuxième photo porte la référence, Monsieur le Président, de D201-8.1 et je demanderai la même chose, c'est-à-dire de pouvoir lui remettre et de faire afficher cette photo à l'écran. Alors, sur cette photo, Madame le témoin, il y a quatre personnes. Est-ce que vous pourriez nous donner les noms des quatre personnes qui apparaissent sur la photo en partant de la personne qui se situe à droite, tout à fait à droite de la photo, et puis en continuant vers la gauche? Est-ce que votre mari figure sur cette photo? Et où se trouve-t-il sur cette photo? À quel endroit? D'accord, mais juste pour préciser, votre mari apparaît où sur cette photo? Est-ce que c'est la première personne à gauche, la personne du monsieur au centre, ou l'homme qui apparaît sur la droite de la photo? Merci. Ce sera tout pour la photo. Je voudrais revenir maintenant plus en détail sur les fonctions de votre mari entre avril 75 ou en tout cas entre votre mariage d'août 75 et janvier 1979. Alors tout d'abord, on va se concentrer sur la période entre votre mariage et la mort de Pang. Au moment de votre mariage, où travaillait Lin? Vous nous avez dit qu'il était venu accompagner, que vous l'aviez vu accompagner Pol Pot. Pourriez-vous préciser où il travaillait exactement? នៅឯណាឲ្យជាក់លាក់មែនតើនោះចាំបានគាត់ធ្វើការទឹកប្រកាសនៅកន្លែងណាឃើញកន្លែងគាត់រស់នៅឃើញនៅហៅខមួយនោះមកកន្លែងក
Merci. Quand vous dites qu'il allait aussi à Cassette, avez-vous jamais su ce qu'il allait faire à Cassette? Qui était, selon vos connaissances, le supérieur ou les supérieurs de Lin durant cette période qui a suivi votre mariage? Est-ce que vous avez su, vous avez entendu parler d'un certain Pang? Que faisait Pang sous les Khmer Rouges? Pang got the tool Kang Munti Bambay Rochat. Est-ce que votre mari a travaillé avec Pang? Merci, mais la question n'était pas de savoir si vous l'aviez vu travailler avec lui, mais de savoir si vous saviez s'il a travaillé avec Pang. D'une façon ou d'une autre, est-ce que vous saviez s'il a travaillé avec Pang? Merci, Madame le témoin. Pour vous rafraîchir la mémoire, je voudrais lire l'un ou l'autre extrait de votre procès-verbal d'audition devant les juges d'instruction, du moins les enquêteurs des juges d'instruction. Il s'agit toujours du document E3/43, et je voudrais lire le début de la page 4 en français, qui est également à la page 4 en anglais et à la page 4 en khmer. Donc page 4 dans les trois langues, Monsieur le Président. Et si l'on pouvait également afficher ce document à l'écran. Je vous remercie. Alors, la question est suivante. En quelle année Lin a-t-il été promu chef du centre 870? Et votre réponse, après l'arrestation de Pang en 1977, on a ordonné à mon mari de remplacer Pang au poste de chef de 870, soit
S-61. Je ne suis pas sûr de tout cela parce que 870 ou S-71 voulaient dire la même chose. Fin de citation. Alors, vous avez dit devant les juges d'instruction que Lin avait remplacé Pang. Est-ce que avant qu'il ne remplace Pang, cela voulait-il dire qu'il y avait déjà un lien entre Pang et Lin? Ou bien vous ne le saviez pas? Vous avez dit tout à l'heure que Lin était le messager, si je ne me trompe pas, de Pol Pot. Est-ce qu'il est resté après votre mariage? Est-ce que ça, vous savez? Et si j'ai bien compris, il est resté pendant un ou deux ans messager. Était-ce auprès de Pol Pot ou auprès d'autres dirigeants? Oui, ma question était de savoir s'il était messager de Pol Pot ou bien d'autres personnes. Vous nous avez dit tout à l'heure qu'être messager impliquait également d'être chargé de la sécurité des oncles. Est-ce que dès lors, il était également chargé de la sécurité de Pol Pot? Est-ce qu'il était seul à assurer la protection de Pol Pot ou avait-il des collègues? Et si oui, connaissez-vous les noms de ses collègues? Et le Tan, Tang, j'ai entendu
qui étaient également à K1. Saviez-vous quelles étaient ces tâches exactes? Est-ce que c'était les mêmes tâches que votre mari? Ou était-il supérieur ou subordonné à votre mari? Est-ce que vous avez entendu parler d'une personne nommée Kam Mi? Et je vais épeler K-H-A-M M-Y. Merci. Lorsque Lin travaillait à K1, vous nous avez dit, en tout cas il résidait à K1, dans quel bureau travaillait-il à votre connaissance? Dans l'extrait que j'ai lu tout à l'heure, vous avez parlé du fait que Lin avait remplacé Pan au poste de chef de 870 ou de S71. Que saviez-vous de S71? Est-ce que vous savez ce qui est arrivé à Pang? Et dans quelles circonstances avez-vous entendu dire cela? Est-ce que c'était une simple conversation ou est-ce que c'était lors d'une manifestation officielle du régime? Et où étiez-vous quand vous avez entendu des gens raconter cela? Est-ce que c'était au moment où vous étiez à K8 ou bien au moment où vous étiez pendant un mois à l'hôpital K11? Est-ce qu'on n'a jamais parlé à K8 de la disparition, de la trahison de Pang lors de réunion? Non.
Monsieur le Président, je voudrais à ce stade lire un extrait du compte-rendu qui a été établi par l'organisation SOAS le 27 juillet 2005. Et le témoin pourra nous dire s'il est d'accord avec le contenu de ce compte-rendu, vu qu'elle n'a pas signé ses déclarations. Et ce document porte la cote D224.16. Je ne crois pas qu'il soit utile de le remettre ce document à Madame le témoin, mais par contre, nous pourrions l'afficher à l'écran. En français, il s'agit de la page 2, en anglais de la page 1 et en khmer de la page 4 de ce document. Merci. Donc je vais lire un extrait de ce compte-rendu de l'entrevue qui a eu lieu entre cette organisation et les personnes qui sont venues vous rencontrer à Malaï. Et selon le document, c'était en juillet 2005. Donc voilà ce qui est dit dans ce document et on attribue ces propos à vous-même. Je cite, on nous a dit que Pang était un traître. Et plus loin, nous savions que Pang était mort car il était accusé de trahison et nous en avons conclu qu'il était mort. Nous avons été informés de sa trahison pendant des réunions de groupe. Nous y avons cru. Nous n'avons pas pensé que c'était une invention. Fin de citation. Est-ce que ce que je viens de lire et que vous auriez déclaré en 2005 vous rafraîchit la mémoire? À part Pang, lors de ces réunions, est-ce qu'on a parlé également d'arrestation ou de trahison d'autres personnes proches de Pang? Ici encore, au fin de la transcription, j'ai entendu le nom Moum, mais en khmer, précédemment, j'avais entendu autre chose. Est-ce que vous pourriez repréciser le nom de cette personne? D'accord. Est-ce que vous saviez ce que faisait Poum et s'il travaillait avec Pang? Qui a donc remplacé Pang dans l'ensemble de ses fonctions après qu'il ait disparu et jusqu'en 1979? Vous nous avez dit tout à l'heure qu'un certain nombre de bureaux K
était placé sous la supervision de 870. Après le remplacement de Pang par Lin, est-ce que ces bureaux K étaient sous la supervision de votre mari ou d'autres personnes? Pourriez-vous nous dire, une fois que Pang a disparu, qui est devenu l'adjoint de Lin à la tête du bureau 870? Est-ce que vous savez qui faisait partie du comité du bureau 870 qui était présidé par votre mari? Est-ce qu'il y a des personnes qui en faisaient partie que vous connaissiez? Monsieur le Président, je voudrais lire un autre extrait de cette interview qui a été donnée à l'organisation SOAS le 27 juillet 2005. Donc, il s'agit toujours du document D224.16 et il s'agit de la page 2 en français, de la page 1 en anglais et s'agissant du Khmer, de la page 3. Avec votre autorisation, je demanderai qu'on puisse projeter cette page 3 en Khmer à l'écran. Merci. Donc, c'est un très court extrait que je vais lire de ce compte-rendu d'interview où il est dit que vous auriez affirmé à ces personnes ce qui suit. Je cite. Mon mari a pris la relève à la tête de S71 après l'arrestation de Pang. Ta Tan, alias Q, était avec Lin dans le comité S71 après l'arrestation de Pang. Fin de citation. Est-ce que vous confirmez ces propos qu'on vous a attribués, à savoir que Ta Tan était dans le comité S71 avec. D'accord, merci pour la précision. Après avoir remplacé Pang, à votre connaissance, est-ce que votre mari avait des responsabilités précises en termes de sécurité vis-à-vis d'ennemis du Kampuchea démocratique? Est-ce qu'à l'époque, à K8 ou à la radio, ou selon d'autres sources, est-ce que vous avez entendu parler des ennemis du Kampuchea démocratique? Tam bị chủ rồi còn tam cáp sắp xài về xây tiếp nữa.
Et d'après ce que vous avez entendu à la radio, y avait-il différentes catégories d'ennemis? Est-ce que vous pourriez pour nous identifier un certain nombre de catégories d'ennemis s'il y en avait? Monsieur le Président, avec votre autorisation, je voudrais maintenant lire un extrait du procès-verbal d'audition de l'accusé Kyu Sampan qui porte la référence E3/37 ou D47 et je voudrais projeter la page 4 en khmer, 5 en anglais et 5 en français. Merci. Donc, il s'agit d'un procès-verbal d'audition devant les juges d'instruction et il y a une première question une question du juge d'instruction Yu Bunleng. Et voilà la question. L'office 870 avait-il d'autres fonctions que celles que vous avez décrites? Réponse de Kyu Sampan. Au départ, cet office pouvait paraître peu important, mais il a pris de l'importance car il a été chargé de faire des enquêtes sur les cadres soupçonnés pour le comité permanent. Je ne l'ai su qu'après l'écroulement du mouvement quand je suis venu à Pai Lin. Fin de citation de M. Kyu Sampan. Madame le témoin, est-ce que votre mari vous a jamais mentionné ou avez-vous jamais appris par d'autres sources qu'il était chargé de faire des enquêtes concernant des cadres soupçonnés de trahison? Oui, je vais reformuler la question, Madame le témoin. Est-ce que Lynn vous a jamais parlé ou bien est-ce que vous auriez appris par vous-même ou par d'autres personnes que Lynn était chargée de faire des enquêtes concernant des cadres soupçonnés de trahison? Merci beaucoup. Monsieur le Président, je m'apprête à passer à une autre section de mes questions. Est-ce qu'il serait opportun maintenant de décréter la pause de midi? Je m'en remets à vous. សម្រាប់ដើម្បីពិសាថ្ងៃត្រង់ចាប់ពីពេលនេះតទៅរហូតដល់ម៉ោង 1:30 នាទីរសៀលនេះសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសម្រាប់ការមន្ត្រីរដ្ឋបាលតឡាការត្រួតរួលផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់នៅបន្ទប់រងចាំទំនាក់ផ្សាក់ស័យនឹងអ្នកជំនាញដល់ផ្សាក់ស័យរួមនេះនៅក្នុងឡុងពេលជប់សម្រាប់ពិសាថ្ងៃត្រង់ហើយនឹងអញ្ជើញគាត់មកកាន់កន្លែងផ្ដល់ថ្ងៃកម្មនៅក្នុងបន្ទប់តឡាការនេះវិញនៅរសៀលនេះន
Thank you, Mr. President. I'm just informed that our client, Nuchia, is suffering from a backache, a headache, and a general lack of concentration. And for those three reasons, he'd like to retire to the holding cell for the afternoon session. And that's our application for this morning. Thank you very much. អញ្ញម្រះបានស្ដាប់តាមសុំរបស់ជនជាតិប្រដនជាដែលបានធ្វើឡើងតាមរយៈមេធាវីការពីក្រីបកតសុំទៅតាមដានកិច្ចដំណើរការសម្នាការពីចម្ងាយតាមរយៈពេលធ្វើសម្នាការនៅរសៀលថ្ងៃនេះដោយមូលហេតុបញ្ហាសុខភាពពិបាកអង្គុយតាមដានផ្ទាល់នៅក្នុងកិច្ចដំណើរការសម្នាការនៅក្នុងបន្ទប់សម្នាការនេះអង្គជំរះយល់ព្រមនឹងអនុញ្ញាតឲ្យលោកនុនជាទៅបន្តតាមដានកិច្ចដំណើរការសម្នាការពីចម្ងាយពីបន្ទប់ឃុំខ្លួនមួយស្ថិតនៅក្រោមសារសម្